faire de l'escalade au milieu de la forêt de Fontainebleau. Ce groupe d'amis n'a pas froid aux yeux. Le thermomètre affiche 4 degrés et des rafales de vent glacial balaient la forêt. Conséquence, le ressenti est proche de zéro. Pas de quoi refroidir ces sportifs. Moi je suis encore en t-shirt. On est quand même sur des températures assez froides. Mais quand on grimpe, on se réchauffe. Les pierres sont froides, mais petit à petit, en fonction de la journée, on commence à petit à petit se mettre en route, quoi. C'est plutôt des bonnes conditions pour l'escalade. Bon, il fait un peu froid pour les mains, mais c'est plutôt des bonnes conditions l'hiver s'il fait beau. Ces escaladeurs ne sont pas les seuls à braver le froid en faisant du sport. Un groupe de randonneurs arpente la forêt avec Pierre Germain, 90 ans, en chef de file. Ce qui nous plaît, c'est déjà toute cette verdure, tous ces arbres, tous ces beaux rochers. Il y a aussi des fois la chance de voir des animaux. Et pas question pour ces marcheurs de laisser le froid gâcher leur programme. Là, c'est un peu frais quand même pour pique-niquer, hein, mais nous avons quand même pique-niqué. On a l'habitude, on fait des choses en montagne. On randonne l'été longtemps dans des conditions qui sont plus difficiles. Donc ici, c'est un entraînement aussi. Ça nous permet de nous entretenir. Averti après, prendre ses précautions. Malgré le froid et le vent, le groupe de randonneurs s'est déjà donné rendez-vous pour une prochaine sortie en forêt.